Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire, enseignement supérieur, les étudiants sont en grève. À Bingerville, un nouveau marché a été inauguré dans la localité d'Akandji. Et puis le FEMUA 15 a tenu ses promesses, les commerçants ont fait de bonnes affaires. Un mouvement de grève illimité paralyse les universités et les grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire depuis le mardi 2 mai. Les étudiants qui dénoncent le paiement de frais pour le retrait de leurs diplômes et le dépôt de certains dossiers ont décidé de donner de la voix. Le retrait des diplômes en paye. Aujourd'hui, pour aller même déposer un dossier de bourse en paye, pour aller retirer le chèque en paye. Vous comprenez? Et on attend un processus de logement où on a mis en place un système pour les inscriptions qui ne fonctionne pas. Et on a bien voulu que M. le ministre trouve quand même ces solutions-là. En une grande surprise, il est encore déplacé, comme il déplace tout le temps. Obéissant au mot d'ordre de grève, les étudiants ont déserté les amphithéâtres. Les causes de cette grève m'ont tellement épaté parce que le doyen en question de l'université pourrait au moins résoudre ce problème pour que nous, les étudiants de l'université et les étudiants de Côte d'Ivoire, les futurs cadres de ce pays, nous puissions enfin continuer les cours. À la date du mardi 2 mai 2023, premier jour de grève, aucun incident n'a été signalé. Plus de 90 minutes d'échange avec Ouattara Dramane, invité de la tribune au cœur du débat du quotidien Le Patriote. À l'occasion, le secrétaire national du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, chargé des militants de l'étranger, a décliné sa vision. Il veut faire de la diaspora RHDP la force politique la mieux organisée, avec notamment des délégués politiques qui sont les premiers responsables de ce parti à l'extérieur. On a estimé pendant longtemps que la diaspora ne valait que pour la symbolique. Nous voulons aller au-delà. Nous voulons faire en sorte que la diaspora soit une force électorale. Nous nous sommes donné un objectif, faire en sorte que nous comptions entre 1,5 et 2 points du suffrage national. Donc c'est un défi important. Ça nous amène à faire un travail important au niveau des enrôlements à venir et puis de permettre que ce quota-là qu'on souhaite à l'orée de l'élection 2025 puisse être atteint. En attendant les prochaines élections, Ouattara Dramane veut mener quelques activités. Il s'agit des assises de la jeunesse de la diaspora à Dakar, une journée de remerciement aux militants, une journée d'hommage au président de la République en multiplex dans 5 grandes métropoles, à savoir Paris, New York, Casablanca, Montréal et Libreville. Sur 1000 mètres carrés de superficie, le marché provisoire de Fekissé à Akandji a été inauguré. C'est un marché de proximité qui va permettre à tous ces cadres qui habitent dans cette zone-là de venir faire des achats sur place ici. Dans le but de répondre aux besoins des populations de Bingerville en constante croissance, la Société coopérative des produits vivriers de Bingerville Côte d'Ivoire a instauré la construction d'un marché dans ce quartier. Je viens de réaliser un de mes rêves d'enfance en tant que femme bourreau en fait. Comme je disais dans mon discours tantôt, j'ai baigné en fait avec mes mamans dans ce travail-là, vraiment. Donc, elles m'ont marqué par le travail qu'elles ont fourni en fait. À long terme, ce marché devra s'étendre sur une superficie de 4168 m² avant d'être un commerce de proximité pour s'approvisionner en vivres. Le rideau est tombé sur la 15e édition du Festival des musiques urbaines d'Anomabo. 6 jours durant, les festivaliers ont dansé et se sont régalés de sonorités d'ici et d'ailleurs. C'était une occasion pour Djeneba, qui tient son commerce en face du site, de faire du bénéfice. Les rues sont bloquées, l'accès au site bondé de monde. Suzy a vu juste d'installer sa petite boutique à l'entrée. J'ai une buvette dans le quartier. Donc, compte tenu du FEMUA, nous sommes venus là pour faire tourner les affaires. Ça avance très bien. Ça tourne. Les clients, les articles vont comme de petits pains et on dit merci. On voit un peu de tout, hein. Maquis, bars, restaurants ont tous tiré profit. Je peux dire que bon, ça m'apporte beaucoup de choses parce que je découvre beaucoup de choses et puis il y a les nouvelles personnes qui viennent découvrir notre cuisine, notre site et puis bon, vraiment, on se fait les bonnes affaires quoi. Bon, disons à peu près le double de ce qu'ils gagnent d'habitude. À peu près.
Bon, comme c'est un secret professionnel, je pourrais garder ça comme ça. La 15e édition du FEMU a terminé. Les regards sont désormais tournés vers l'édition 16. En attendant, c'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'information revient sur cette info.